Il y a peu de temps, Fritz Corleone vient de sortir son nouvel album ADC qui était très attendu par ses auditeurs. Zucco Maisie avait d'ailleurs annoncé qu'il y aurait des références sombres et conspirationnistes, et bien évidemment c'est le cas. Ça fait partie de son style musical et malgré les avertissements de la Lycra etc, il a quand même glissé quelques propos limites. Et dans cette vidéo, on va analyser 3 sombres punchlines de son nouvel album ADC. Juste avant que la vidéo commence, j'aimerais vous parler de Shay Nation. C'est la rentrée, pour beaucoup le moment d'acheter de nouvelles sapes, et si t'as envie d'avoir un vrai flow streetwear, c'est sur Shay Nation que ça se passe. Tu vas pouvoir y retrouver des bijoux, des vêtements et même des accessoires. Il n'y a rien qu'à regarder les avis pour comprendre que c'est vraiment de la qualité. Ils vont d'ailleurs bientôt drop des leaks, c'est des petits bijoux que vous pouvez directement mettre sur vos sneakers afin de les rendre encore plus stylés. Au niveau de la livraison, elle est offerte et vous recevrez votre commande avec un délai de 3 à 5 jours. Et ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'avec le code RAPES30, vous avez 30% de réduction sur votre commande. Si après avoir passé commande sur Shay Nation, t'es pas le mec le plus classe de ton lycée, c'est certainement que d'autres personnes portent déjà du Shay Nation. Bref, tout est dans la description et c'est parti pour la vidéo. Dans cette punchline issue du titre Bill Clinton, il fait référence à ce dernier qui était un président des États-Unis de 1993 à 2001. Et la principale raison pour laquelle il est accusé de terribles choses comme la pédophilie est à cause de son lien avec le milliardaire Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein était un milliardaire ayant fait fortune principalement dans la finance, dans un premier temps au sein de la banque Bear Stearns, puis à son compte. Il va aussi, de par sa richesse, posséder beaucoup de biens immobiliers, comme une grande villa en Floride, un appartement à Paris, un ranch de 4000 hectares avec un manoir, et même en 1998, il va devenir le propriétaire d'une île nommée Little St. James, qui va par la suite être surnommée l'île de la pédo. Puisqu'en réalité, Jeffrey Epstein va être l'auteur de terribles choses, dont trafic sexuel de mineurs, sollicitation de prostitution de filles mineures, etc, etc. Dont il entretient des connexions avec des personnalités puissantes, riches et célèbres, et c'est là que vous sentez venir la chose, puisque parmi elles, il y a Bill Clinton, sur qui on va y revenir très rapidement. Pour comprendre ce qu'a réalisé Jeffrey Epstein durant des années, il y a juste à regarder les nombreux témoignages des femmes qui ont été victimes de cette affaire. Et c'est là que l'on comprend tout le trafic qui s'est passé dans ses différentes propriétés, dont son île privée, qui a été renommée pour ces raisons. Mais ces trafics impliquaient aussi d'autres personnalités publiques. D'ailleurs, d'après les enquêteurs et une victime de cette affaire, dans chacune de ses propriétés, des caméras étaient cachées pour filmer tous les ébats qui ont eu lieu, y compris ceux de ses invités, qui pouvaient être des politiciens, partenaires d'affaires, etc., afin de pouvoir leur faire du chantage par la suite. Mais pour en revenir à la punchline de Fritz Corleone et le lien avec Bill Clinton dans cette affaire, en 2019, l'année durant laquelle Jeffrey Epstein a été condamné et rentre en prison, la fondation Clinton affirme que Bill Clinton ne savait rien au sujet des choses terribles pour lesquelles Jeffrey Epstein a plaidé coupable. Ils vont ajouter aussi qu'il n'aurait fait que 4 voyages à bord du Lolita Express, un avion privé appartenant à Jeffrey Epstein, et ne serait jamais allé sur l'île de Little St. James. Mais d'après certains témoignages autour de cette affaire, déjà premièrement, Jeffrey Epstein possédait dans l'une de ses demeures un tableau de Bill Clinton. Il détenait aussi un carnet d'adresses appelé le Petit Livre Noir, dans lequel était noté le chiffre 42, faisant peut-être référence à lui qui était le 42e président. Ou encore, d'après un témoin, il aurait été aperçu sur l'île de Little St. James avec 2 filles sous les bras. Mais aussi, une journaliste d'investigation dira que Clinton a été invité 27 fois par Epstein, et presque à chaque fois que son nom était inscrit sur le journal de bord du pilote, des filles mineures l'étaient aussi. Et le 18 août 2020, un média va publier 2 clichés de Bill Clinton en train d'être massé lors d'une escale du Lolita Express par une mineure exploitée par Epstein. Et donc, comme vous l'aurez compris, Bill Clinton a des chances d'être impliqué bien plus sérieusement que ce qu'a affirmé la fondation Clinton. J'fume la génétique et j'fume le clonage. J'me sens comme Gucci Mane avant le clonage. Et que j'dé... En 2016, le rappeur américain Gucci Mane sort de prison après 2 années de détention, et c'est là que les premières théories vont commencer à apparaître. Mais pour comprendre, il faut revenir quelques temps en arrière avant l'incarcération de Gucci Mane. Avant d'entrer en prison, il avait un physique assez trapu, peut-être aussi à cause de sa consommation de drogue.
Plusieurs tatouages, dont un en particulier à retenir pour la suite de l'histoire, celui en forme de glace sur sa joue. Puis en 2016, il va être libéré, et c'est là que des choses étranges vont débuter. Son physique a changé, il n'est plus en surpoids et paraît plus athlétique, jusqu'à là rien d'alarmant, mais c'est là que ça commence sérieusement. Un proche à lui dira lors d'une émission radio que ce n'est pas le vrai Gucci, qu'un jour il était en studio, il avait l'air perdu, et s'est même trompé de prénom en voulant l'appeler. Mais aussi, rappelez-vous, son tatouage en forme de glace sur la joue a tout simplement disparu. De nombreuses personnes vont commencer à alimenter la théorie que ce serait en réalité un clone et que le vrai Gucci Mane serait toujours enfermé. Puis Gucci Mane va poster une vidéo à propos de ces théories où il dira qu'il ne soutient pas mais ne nie pas non plus ces accusations. Mais en réalité, tout s'explique. Bien évidemment, sa transformation physique est tout simplement due au sport, et peut-être aussi grâce à l'absence de durant son incarcération. Son tatouage disparu, c'est à cause que Gucci Mane aurait commencé une séance de laser afin de le retirer. Son proche qui a dit que ce n'est pas le vrai Gucci, c'était en réalité fake, et Gucci Mane a juste profité du buzz autour de cette théorie pour en faire une vidéo. D'ailleurs, Freeze Corleone avait déjà fait cette référence dans le son QB. Et à cause des tonnes de contenu postés à ce sujet sur internet, cette affaire a pris une grosse ampleur. Et pour y revenir à la punchline de Freeze Corleone, est-ce qu'il croit réellement à cette théorie? Peut-être sous potion magique, oui, mais à jeun, je pense pas. Il fait certainement référence à la manière de rapper de Gucci Mane avant cette affaire de clonage, comme il l'a dit par exemple dans le titre Bill Clinton. Pour dire qu'il est actuellement à son prime, comme Gucci Mane l'a été à l'époque de Trap House 3. Et comme vous l'aurez compris, Trap House 3 est sorti en 2013 et donc avant son affaire de clonage. Tu devrais prendre ta retraite comme NASA. Et j'arrive non, comme NASA. J'écris comme si je fais des... Dans cette punchline, Freeze Corleone fait très certainement référence au recrutement de scientifiques menés par la NASA. En effet, ils avaient des compétences en aérospatiale assez élevées pour des raisons qu'on va voir par la suite. Et l'un des plus célèbres d'entre eux est Wernher von Braun. Wernher von Braun était un scientifique qui rêvait d'aventures spatiales dès son plus jeune âge. Il fabriquait des petites fusées qu'il arrivait à faire voler grâce à différentes méthodes et au fil des années, elles devenaient de plus en plus performantes. En 1937, il adhère au parti mais plus pour ses convictions personnelles que pour les idéologies, et sera nommé directeur du centre de recherche balistique. Le 8 septembre 1944, l'état-major lance le premier missile balistique de l'histoire sur Paris. Ce missile est nommé V2 et est capable de parcourir des centaines de kilomètres. Et ça, ça prouve de quoi est capable ce scientifique. Suite à cela, en 1945, alors qu'il sait que l'Allemagne va perdre, il va négocier avec les Américains qui connaissent sa valeur et vont le rapatrier aux États-Unis. En 1958, la NASA est créée et Wernher von Braun est chargé des programmes de vol habité. Il va diriger la conception de la fusée Saturn V qui permet aux USA d'aller sur la Lune. Et c'est assez fou pour plusieurs raisons. Premièrement, après la Seconde Guerre mondiale, les nazis étaient poursuivis en justice pour leur acte horrible, et donc d'en recruter pouvait évidemment créer la controverse. Mais surtout, les nazis et les États-Unis étaient ennemis. Et là, Wernher von Braun va non pas seulement rejoindre les USA, mais va permettre de réaliser une mission primordiale en pleine guerre froide contre l'URSS, celle d'aller sur la Lune, permettant aux États-Unis devant le monde entier de montrer leur puissance et surtout de passer devant l'URSS dans la course à l'espace. Les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire votre top 3 de l'attaque des clones. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Rapace.